Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Vous regardez Plaisir Créole avec Soleil Réunion. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans cette émission Plaisir Créole, comme chaque semaine. Ici même, Bassin-Labo, quelquefois nous délocalise un petit peu, mais là, bon, ça fait un bout de temps que nous fait la cuisine ici même à Bassin-Labo, ce soir encore avec d'autres personnes, avec une équipe, nous dirait pas troisième âge, hein, parce que Bana a dit senior. Oui, oui, parce que Julie est derrière la caméra, elle me souffle en disant c'est pas troisième âge, c'est senior. Oui, oui, parce que maintenant, les seniors sont à l'honneur un petit peu partout, hein, dans les maisons que l'on construit actuellement. On construit beaucoup de maisons aménagé pour les seniors. On fait aussi des routes et des infrastructures pour les seniors. Et là, ici aussi, la cuisine ce soir va être aussi avec les seniors. Et donc, pour ça, ce soir, Nouénard, pas mal de personnes qui viennent faire la cuisine. Rolchers, bien entendu. Après, avec son équipe habituelle, nous avons une chanteuse aussi avec nous, Emilia. Et puis après, en cuisine ce soir, il paraît qu'il y a de la morue ce soir. Il paraît que nous avons des poulets ce soir. Un poulet à la bière, avec modération peut-être la bière à l'intérieur, mais il paraît que quand les fines arrivent à l'intérieur, l'alcool fait évaporer. Donc du coup, Lisa passe sous le personne ce poulet-là ce soir. Mais par contre, hein, les margoses qui se mettent dans la morue, il faut faire attention parce que si vous ne faites pas attention, ils blessent ou parce que les margoses, nous appellent ça des crocodiles. Voilà, hein, Margot Crocodile, tout connaît ça, Margot Crocodile. Ce soir, on a ça là-bas. Là. Bon, ne perdons pas le temps parce que Julie, il est à la caméra, il pèse un petit peu sur son bras. Oui, dites-moi. Et ben, nous, ça tout de suite fait la cuisine et pour qu'on nous revienne tout à l'heure, nous rencontre à nous un petit peu tout au long de cette émission, comme d'habitude, dans Plaisir Créole, qui n'est pas une émission seulement réservée à la cuisine, hein, c'est aussi une émission d'ambiance, hein, peut-être de musique aussi, parce que ce soir, on a les artistes aussi, on aura peut-être l'occasion d'entendre la Zotte aussi chanter un petit peu. Donc, bref, c'est pas forcément parce qu'il n'y a pas le Plaisir Créole, l'émission de cuisine, que c'est forcément une émission de cuisine, c'est une émission culturelle. Voilà, c'est dit. Allez, nous ça va tout de suite et après nous retrouvons dans un instant. Alors Julie ? Bonsoir. Comme d'habitude. Bonsoir, bah oui, comme d'habitude. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de cuisine. Donc ce soir, nous l'est avec le groupe Senior qui a été amené par Roger Lancume. Amené. Manal a ni avec Roger ce soir. Rogers. Et donc ce soir, nous sommes cuisinés de 2 mai. Hein, donc, nous aura à la fois de la volaille et donc nous, ça fait un curry. Vous en savez encore, mesdames, comme curry un curry de poulet à la bière. Oui. Et de l'autre côté, nous aura de la morue margose. D'accord, ben, nous allons voir tout de suite la personne qui, ce soir, apporte la pièce ici. Soir, nous allons voir Rogers d'abord, moi, avant. Hein, Rogers hein, et l'équipe qui te présentera les différents. Voilà, voilà. Nous allons voir Rogers d'abord. Rogers, comment ça va? Bonsoir. Oui, parce que depuis tout à l'heure, l'arrivée, finalement, bonsoir, trois fois, quatre fois. Et qu'on s'en pense du fait qu'aujourd'hui, Gaëpi dit bonjour, fait bisous, donne pas la main, rien, tout ça là. Comment faut-il bonjour, comme elle a? Ça l'appelle Corona, là. Il est arrivé là. Gaëpi dit bonjour, comme le corona. Oui, mais la maladie à corona, il fait mal à la tête aussi. Pas besoin de la maladie. Hein. Ah, mais, bon. Ouais. Mais François, finit trouver une méthode. Mais ne dira pas nous tout de suite. Là hein, François. Non, c'est un secret. C'est un secret. Mais même des autres. Tiens, nous t'allais. Tiens, nous t'allais. Comment maintenant il dit bonjour. Hein. Ouais. Alors, qui sont l'ami ce soir? Avec qui sont l'ami ce soir? Ben moi, il y avait toujours mon pantalon Jocelyn. Avec Annie. Jocelyn avec Annie. Jocelyn grandit encore de joueur en joueur. Vous avez vu comment il grandit de joueur en joueur. Voilà, voilà. Après l'ami avec qui ça? Ben, avec Emilia aussi. Emilia, on trouve en route. Soit il mange pas de la viande, si elle y vient, il fait la morue avec. D'accord, ben, parce que nous, toi, le vendredi soir, et Emilia, vendredi soir, il mange pas la viande. Mange pas la viande. Si elle mange pas la viande, elle mange la morue. Hein. Voilà, voilà, mange la morue. Hein. Voilà. Après, qui s'en est nous là, madame là? Madame là, qui c'est il est? Ah, c'est comment le prénom? Marie-Jeanne. Hein, Marie-Jeanne. Voilà, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, ça cuisinait aussi un soir, un peu à soir?
Hein, donne un petit coup de main alors. Ben, elle est bon alors. Après, à côté où, qui ça? Sylvette. Sylvette. Sylvette connaît la maison, on finit ici. Sylvette, oui, hein? Voilà. Sylvette, Sylvette. 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 Sylvette, hein? Après, ce madame-là, là, nous connaît Alino, hein? Non. Oui, mais nous connaît. Comment nous peut oublier madame aux yeux bleus? N'est pas possible, ah, Julie. Vous pouvez oublier madame aux yeux bleus? Jamais. J'y oublie pas madame aux yeux bleus, hein? Ben. Alors. Alors, ah, c'est comment? Monique. Alors, François, elle a un petit blague aussi, si Monique. Non, non, mais on ne peut pas dire. On ne peut pas dire. Non. Alors, où tu te blagues, je veux dire. Non, mais moi, je n'y ose pas, moi. Non, il va dire où tu as l'air, inquiète pas. Mais Monique, quand on a les yeux bleus dans la famille, tout le monde a les yeux bleus? Non. Comment ça se fait, coûte-sœur, à côté où, là, pour les yeux bleus? Si, là, les yeux bleus. Elle a un petit peu quand même les yeux verts, un petit peu. Alors, c'est comment, la sœur? C'est pas ma sœur. C'est pas sa sœur. C'est la belle. D'accord. Moi, je regarde les yeux là, hein, ils mettent tout le monde dans la même famille, moi. Ben oui. Hein? Ben, moi, les yeux, c'est dénominateur commun. Pourquoi voilà, pas? Dans pourquoi une famille. Pourquoi pas? Mais là, hein? Tu vois bien que ce n'est pas le cas. Voilà. Paulette et Georges. Paulette et Georges, hein? Oui, c'est moi. Ouais. D'accord. Hein? Georges, toi, tu viens d'où, toi? Des Avirons. Des Avirons. Et Paulette, oui? Et moi, je viens de l'Aviron. De la Campagnac, d'Alaveyron. Ah, d'Alaveyron. Ah, d'accord. Le viaduc de Millau. D'accord, le viaduc de Millau. José Bové. Oui, 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 oui. Et le maïs transgénique. D'accord. Et donc, toi, c'est comment? Sabine. Sabine, voilà, voilà. Et bien sûr, Julie, Nouénard, Roselyne à côté de nous. On dit Liline, hein? Ah, bon, ouh. Je ne vais pas me taire. Je peux, moi. Ouais. Moi, je peux. Ben ouais, demande Roger. C'est bon? Je demanderai à d'accord, elle est bon alors. Bon, ben nous, ça cuisiner alors, François, elle est prête à cuisiner alors. Écoute, là, nous va surtout suivre maintenant pour voir si je ne fais pas bêtises. Elle est bon? Hein, parce que vous connaissez. Non, parce que ça fait un poulet à la bière. Alors, il faut que la bière là, il arrive au bon moment. Parce qu'il faudra bien un moment donné là pour la bière. Il faut surtout que maintenant, il mette la bière dans le manger et. Pas derrière, hein? Bon, allez, elle est bon alors. Ok, et nous, vu qu'elle avait des ananas aussi là, c'est pourquoi les ananas? Pour une salade d'ananas. Pour une salade d'ananas, hein? Voilà. Donc, à où ça fait la salade d'ananas? D'accord, alors, ok. Donc, Margot, et puis après, la morue, elle a fait nettoyer, elle a fait mettre dans l'eau là, et il ne reste plus qu'à cuisiner là. Elle est bon? Oui, mais bon. Elle est vieux, mais elle est bon. Mais allons, s'il y a les vieux. Mais bon, allez, c'est parti. Ah, vous cuisinez pas où? J'ai pas fait ça qui reste après à faire. Ouais, hein? Les poulets après. Ah, le poulet c'est où qui fait alors? C'est pas moi qui fait, maintenant il trouve même Monique là-bas. Mais bon, t'as trouvé Monique alors. Mmh. Bon, alors. Hein? C'est quoi ce que ça va faire avec mon crocodile là? Ben. Ça c'est Margose. Ça c'est Margose? Oui, oui, on va mettre la morue. Avec la morue? Avec la morue. Alors, on dit comment? On dit la morue ou bien la morie? La avec morue. Un U ou bien avec un U? Morue. Avec un U? Oui. Ah bon, c'est pas avec un I alors? Non. M'a toujours cru que c'était avec un I moi? Non, c'est U. C'est comment moi je dis moi? Moi je dis la morie moi? Je dis comment on dit où? La morue, la morue. La morue. Ah bon, la morue, mais ils ont tout. Ils aiment tout la langue, c'est une morue. Moi, j'aime la morue. Moi, c'est la morue. Bah, et vous connaissez Morissette? Morissette, oui, ça me dit quelque chose. Ouais. C'était une chanteuse. Oui. Elle est chantée quoi encore d'ailleurs, Morissette? Je ne sais pas, moi. Mais on parle même de Morissette, tu ne connais pas comment ça les chante. Morissette, moi, là, m'a dit la Morissette. Ah non, moi, je connais Morissette. Ah, Morissette, mais bon, alors, elle est bon, ok, allez, allez. Ali s'occupe de la morue. Donc, c'est elle qui va diriger la Margose, qu'elle s'en compagnie. D'accord. Voilà, hein. Emilia, toi, tu fais quoi, toi? Moi, elle m'y prépare les épices. Ah, vous préparez les épices, mais elle a dit comme ça, on va faire la morue aussi, ou? Ben non, moi, m'y faisais si vraiment c'était en rougaille. Ah, d'accord. Mais avec Margose. Mais pareil, non? Pas habituée. Ah bon, d'accord, alors. C'est pour ça, elle ne fait pas. Mais là, ça va. Ok, pas de soucis. Mais bon. Conseil bouillir là. Eh, mais là, à moi, quand on fait bouillir. La morue? La morue. Ouais, donc fais bouillir la morue. Voilà, moi, mais toujours fou à nous. Ah, ou toujours fou à nous? Toujours fou à nous. Ah bon, mais tu es toujours fou à nous. Fou à nous. C'est bon, d'accord. Mais bon, laisse ça y bouillir. Mais bon, mais laisse ça y bouillir là. Comment ça a dit, ça massait à la viande? Ouais, ça mettait un petit peu de. Ça massait à la viande. Pour macérer la viande, il manque. Ah oui, alors, sa chère et tendre m'a dit qu'elle avait ramené un bocal où il y a 5 épices qui sont dedans. Ouais. Elle est où là? Alors, libanais. Alors, dis-moi, vous avez l'air d'accord avec du coup. Le thym libanais. Ouais. Caloupilé nourri. Caloupilé quoi? Non, pas caloupilé dans le. Alors. Et 4 épices moulues. Voilà, donc. Bon, mais nous demande.
Rosine. Allez, Rosine, tiens-nous bien. Parce que connais Roger Kaider. C'est un mélange d'épices libanais. Voilà. Mais détaillé, il ne connaît pas. Hein. Non, mais dans la... C'est quelqu'un qui vient du Liban, nous a fait ça. C'est super sympa. Mais on a l'habitude de mettre de la viande, des grillades, des choses. Mais c'est pas une créole, écoute. Voilà comment il fait pour retrouver les épices libanais. Non, mais il n'y a pas ici. Ah bon? Bon, ben je vais. Là, les foutus alors. Les foutus alors. Mais personne qui n'a pas fait pareil. Non, les mélanger trois épices, elle ne connaît pas. Hein. Les mélanger. Ils n'ont pas fait la scène de ménage, là. Hein. Non, la laurier. Oui. Moulu. Ouais. Et quatre épices moulues à dents. Et c'est moi la mienne après un dernier. Ah, c'est vous la mettez en voilà. Il a rajouté. Ouais, ouais. Donc le thym. Le thym libanais. Le thym libanais. Laurier. Laurier. Et avec aloupilé. Caloupilé. D'accord. Voilà. Ah, nous connaissons le thym brésilien. Nous connaissons le thym brésilien. Ouais, ouais, ouais. Le thym créole, là, quoi. Ah, ben le thym créole, si. Justement, mais justement, le thym qu'on utilise, c'est un thym créole. Ben oui. C'est bon, alors, ok. Là, ça, tu coupes ça comme ça, en petit rondelle, comme ça. Voilà. Et dans de l'eau avec du sel. Oui, avec du sel. Oui, d'accord, alors. Mais là, ben, on coupe tomate à la main comme ça ou non? Ben oui, moi, qu'est-ce que d'habitude, mamie ne coupe pas du sel en ferme. Moi, c'est plus à la main. Plus à la main? Oui, plus à la main. D'accord, alors. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on met dedans? Ah, ouais, c'est du poivre seulement. Assaisonne allié avec du sel. C'est joliment fait, voilà, c'est la main qui a cuisiné, fait longtemps, ouais. Et ça se voit qu'elle est habituée, c'est beau à regarder. C'est très bon. Ça, la main qui fait la cuisine. Ah, ça, c'est une main qui fait de la cuisine, qui a fait de la cuisine et qui encore aujourd'hui fait de la très bonne cuisine. Voilà, hein. Et là, il y a Rogers qui met son produit libanais dedans. Il s'utilise, il vient mettre son grain d'épices. Voilà, ça passe son grain de sel, son produit libanais. C'est Mamie Monique qui fait. C'est Mamie Monique. Ouais, c'est bon. Bien macérer la viande, tout ça. Après l'huile là-dedans, là, non? Non. Pas encore, hein? Non. Non, le sel, mais après. Ah bon, tu mets après. Le sel n'est pas bon, on fait grossir. Ah bon. Retention d'eau. Il faut se mettre après. C'est quoi ça? C'est les œufs, là? Oui, j'ai trouvé un petit œuf. Non, mais c'est pas les œufs, c'était un coq. Ah, d'accord, ben voilà. C'est un petit œuf, c'est pas le cœur, hein? Non, non, c'est ça. Ça c'est quoi? Oui, c'est du coq. Vous l'avez vu, Rogers, là, quand il va y parler, là, il met dedans même, lui, hein? Il y a rajoute, lui, hein? Vous l'avez vu? Il dit pas avec ça, lui, hein? Il dit pas avec ça, lui, hein? Il met dedans même où? Il met dedans. Il va y cueillir, pas lui, il met dedans. Ben oui. Il est malicieux, oui. Ben voilà, hein? Après, s'il est pas bon, là, comment on nous fait, là, Julie? Mais non, le bladiao est très bon, grillade est très bon dans les 20 causes actifs, donc c'est prouvé, donc il ne peut pas ne pas être bon. Ouais, bon alors. Peut-être un petit peu de sel après, tu rajoutes un petit peu de sel. Non, sel après. Ah d'accord, à la cuisson peut-être. Voilà, après. Ok, hein? Je mets des épices, l'ail, la tomate et puis les oignons. Après je mets le sel. Bah, toi, on enlève les yeux. On enlève les yeux, ça, non? Enlève les yeux. Il faut les voir hein? Ben oui, après, on a mangé les yeux, puis on les voit plus, on les voit plus à nous. On va manger les yeux, on enlève ses yeux. Voilà. Ça, c'est pour la salade, ça, là? Non, c'est pour le dessert. Ah, pour le dessert. Voilà, une petite tranche d'ananas pour rafraîchir. D'accord. Voilà, il paraît que les ananas, les bons pour digérer après la fin de leur repas. Ah, ben oui, hein? Ça tombe bien. Il enlève les graisses. Ah. C'est un aspirateur de graisse, c'est une éponge à graisse. Ah, ouais. Oui, ben. Super, alors. Vous l'avez vu comment m'y connaît les affaires? Ah, vous connaissez hein? M'y connaît les affaires. Ah, ouais. Tu vois pas où là? Ah, ben non. Comment t'es pas trop sûr d'arriver là, moi? Comment? Moi, t'es pas trop sûr d'arriver là? Ah bon, bah, on passe au même chemin, quoi? Si, mais on passe le même chemin, mais t'y attends pas, moi. Ben, elle est très fière de moi, je suis allée là. Hein. Ma la trouve Julie. Oui. Première fois, m'y voit de près, en chair, en os. Ben, elle fait plaisir à moi quand même. Ben, elle est beau, là. Ouais. Mais là, c'est un coup de tomate, alors. Okay. Avec un coup de main comme ça. Attention, coup de main. Non, hein? Mais à où mettre tu mets où, alors? Oui, oui. Enlève les grains, parce que des fois, Ah, on enlève les grains, alors? Oui, enlève les grains. Mais moi, jamais vu. Il enlève les grains dans le tomate, ça? Oui, une fois, oui. Ah, on enlève les grains, mais reste avec la peau, là? Ah, ben non, après. Moi, c'est le tomate bébé, un petit goût aigre. Un petit goût aigre, alors, les grains, alors. Ben, vous enlevez aussi les grains, vous? Dans les tomates? Non, mais il laisse tout. On laisse tout. Ah, bon. Parce que, à un moment donné, quand je fais un kilo de tomates, il reste où un livre? Hein? Non, mais à cet allure-là, quand je fais un kilo de tomates, il reste où un livre? Ah oui? Voilà. Ah, voilà. Donc, il enlève les grains dans les tomates, il laisse rien que la peau. Voilà. Oui, mais l'ananas.
Dans le poulet, t'as le revenu, hein? Et la morue, ça a fait les bons. La morue, mais vient de mettre le deuxième lot pour bouillir. Elle va mettre le deuxième lot? Oui, il m'a changé. Là, on enlève le premier, voilà. Le deuxième. Hein? Voilà. Il faut combien l'eau, lui? Ben, ça dépend. Après, il goûte pour voir s'il y en a beaucoup de sel ou pas. Ah, d'accord, on goûte alors. Voilà. Les bons, alors. Hein? Et là, le poulet, là, t'as le revenu. Parce que hein, on a la morue. Ah, où t'en as fait revenir le poulet, alors? Oui, monsieur. Ah, d'accord. Et on mange en même temps? Oui, monsieur. Les bons. Alors, complètement, monsieur, où? Parce que t'es un joli monsieur. Ah bon, ben, on a les yeux bleus, pas moi. Ah ben. Et là, qu'est-ce qu'on fait là? On fait revenir les poulets? Oui. Hein. Après, ça roussit après. Après, mes épices, donc elle est bien rose. Hein. Hein, bien, bien rose. Hein. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, d'accord, alors, c'est bon. Hein. Je dis, ça avance là, alors. Hein. Oui, alors, dans cette marmite-là, qu'est-ce que nous avons très cher? De la morue. Qui boue, qui boue, qui boue. Qui boue pour la deuxième fois. Oui, est toujours belle comme d'habitude. Oui, oui, moi, j'aime bien. Ah, bien tellement. Mais on a raison, ma fille. Non, mais attends. Parce que avant je vaux bien. À quand je mets trois anneaux dans les oreilles? Ah, parce que ça, c'est la mode, ça, c'est. C'est la mode, c'est trois anneaux dans les oreilles. Ah, j'aime bien tellement. J'aime bien tellement. T'as raison, ma fille. Caprine. Caprine mélangée, malbarrée, j'aime bien. Ah, mais c'est bonjour, j'ai un petit côté un petit peu malbarisé. Voilà, le coup, là, hein. Mon papa malbar. Ah, mais la chimie, moi, la chimie. On n'a pas eu les oreilles, mettez-en eau, alors. Et bon, ok. Et vous l'avez vu, Julie, comment le poulet, il revient, là. Le poulet, là, en train de bien revenir. Parce que là, il fait en deux fois, la première partie est faite. La deuxième partie, elle s'en fait, là. Ça, c'est la deuxième partie, hein. Oui, après, mettre là-bas. Et après, il fait revenir à fait roussir. Vous connaissez le mot roussir? Le mot roussir, rougir la viande, tout à fait. Non, là, c'est rougir et après, c'est roussir. Ah, on peut roussir. Pour mettre les épices, c'est roussir. Ben non, parce qu'on a plus d'épices à ça. La langue créole est quand même assez subtile. Ah, mais bien sûr, les rechercher. Hein. Oui, voilà. Vois ça. Ben, c'est bon. Allez, mais Mila, ça va continuer. Ben, à Toto l'arrivée. Monsieur Toto qui est avec nous ce soir, peut-être Toto, tu es bien, mais tu es avec tes jolies savates à la rayonnette. Ah, Toto, que ça arrive, bienvenue. Oh, toujours. Ici, c'est toujours le plaisir d'être là. Hein. Ah, bon. Et dès qu'on est arrivé, bonne madame, là, qu'on s'en a dit à où hein? Si ça assoit, ça donne un petit blague à Toto. Obligé de le faire. Hein. Alors, en fait, ou un petit blague, il revient où là tout de suite, là, comme ça? Tu dans la tête, non, on va chercher. Parce qu'il n'y a pas encore passe là-bas, l'autre côté. Voilà, il faut y espérer. Non, l'autre côté là-bas. L'autre côté, il y en a un bar là-bas, le côté là. Hein. Ah oui, mais c'est un bar avec de l'eau et des cocktails. Ouais, mais Toto, il ne boit pas du tout. Ah oui. Pour combien de temps là? Pour un an. Un an? Ah bon, bien sûr. La santé d'abord, c'est normal. Et puis, comme il dit la pub, jamais plus de 2 verres d'alcool par jour. Et pas tous les jours. Et à consommer avec modération, ouais. Toujours. Voilà, hein, voilà, on a vu la pub. 2 verres d'alcool par jour, mais pas plus. Et pas tous les jours. Et ce qui est tout à fait normal. Voilà. Hein, les bons. Bah, nos dieux, payez-nous un petit peu, nous refait la pub aussi, vous autres. Ben, ouais. Mais ils seront tous de monde, ils ne payent pas nous du tout, fait la pub. Bon, ben, peut-être là où la langue. Ils croient peut-être que de monde garde pas nous. Et pour autant. Ouais. Il faut que les annonceurs, ils appellent à nous un petit peu. Hein? Bien sûr. Voilà. Non, appelle pas lui, appelle à moi. Mais bon, okay, alors, peut-être avec Ouimage, parce que, en fait, tu connais toute bande de monde, ils vendent la pub, là, il y en a une bonne madame devant. Ah ouais? Oui, parce qu'il n'y a pas refusé madame, n'est-ce pas, Toto? Hein? Madame, c'est toujours la première. Ben, il envoie le madame devant, il dit les femmes, allez rendre les pubs. Mais attention, nous parlons de galanterie, les femmes d'abord. Non, mais vous ne pouvez pas dire que toute bonne vendeuse de pub, là, c'est des femmes? Ah la oui, plupart, mais, hein. Mais ça dépend. Après, tu as des pubs aussi où on a des hommes où c'est mixte. Non, si ne parle pas de la pub, les vendeuses de pub. Ah, ben je sais pas. Ouais, je suis pas dans le milieu. Parce qu'il paraît qu'il n'y a pas refusé une femme. Hein, monsieur, fais la pub dans ce délai-là. Là, les bons, d'accord. Donc, il n'y a pas dit non. Toto, Banaf, il me fait revenir. On va attendre, il n'y a plus de bruit là. C'est tout là. On va aller. Mais ça, ouais, un petit coup, moi. Ouais, que ça a fait. Ça fait présenter à mon petit-enfant. Hein? Là, on veut présenter à mon petit-enfant. La télé comme ça, il y a même des petits-enfants qui présentent à nos petits-enfants. Magnifique. C'est trop mignon, magnifique. De tes petites lunettes. Premier fils, ça. D'accord. Garçon, le nain. C'est autre premier fils, là, ça, où monte la photo de sa petite fille comme ça. Oui. Nous avons l'autorisation de papa le moment. Enfin. On va demander avant. Agathe, Ali, Ali, la ligne de feu, rien. Hein, il n'y a pas l'autorisation parentale, il permet, Ali, mais là, tu as son petit-enfant. Vous savez, nous, ça, non. Mais pas où l'a fait ça? Oui. Mais ça va, madame, là, quand ça arrive, là, on la met dans ma amie, là, non? Oui, attends, la dame va des fils. Là, on va mettre des fils? Oui. Ben, attends, mais regarde la lumière, mettez là, parce que là, pour la lumière, tu es là. Oui. Hein, et il ne voit pas Cléa. Hein, et vous connaissez Cléa où? Qui c'était, les? Cléa.
Claire, c'est la lumière. Ben, Claire, c'est la lumière. Ben, ça va, Claire. Ah, la lumière est arrivée. Heureusement, François, là, c'est un homme, il prévoit tout bien. Ouais. Voilà, là, la lumière est arrivée, et là, maintenant, nous avons bien d'autres marmites. Là, nous avons bien d'autres marmites. Ah, où ça fait revenir, alors? Oui, après. Mais s'il ne vient pas, comment on fait? Le démonique, qui vient, là. Ah, la Monique aussi fait revenir, alors. Monique, viens où, là? Parce que François, vous êtes quand court. Il faut chanter. Il faut chanter. Pour qu'elle revienne. Ah, d'accord, c'est bon. Et tu connais la chanson, Monique? Monique, ouais. C'est celle qui... Non, mais pas. Non, c'est pas ça. Julie, alors. Peut-être tu connais un petit peu, non? La chanson de Monique. Non, je connais pas la chanson de Monique. Ben oui, écrit par un grand chanteur français. Ben lequel alors? Johnny Hallyday. Ah, ben moi, je... d'accord. Et c'est quoi que ça? Attends, Mazzaro, parce qu'elle a maintenant Monique qui s'est mettre des épices dedans là. Hein, hein Monique? Monique va tourner. Monique va tourner. Elle est bien rose là. Mais pourquoi bien? Hein? Mais pourquoi bien? Là, pourquoi bien? Non. Il faut attendre encore un petit peu là, non? Oui. Voilà. De bois les mouillés? Le mid, il ne flamme pas bien. Il ne flamme pas bien alors? Non, hein? Monique, écoutons danser. Il faut la cuisine ou danse en même temps ou? Bien sûr, il faut danser. Ah bon? Il faut danser Jean-Claude. D'accord, les bons alors, ok. Hein? En faisant la cuisine? Ah oui, en faisant la cuisine. La case aussi ou danse, ou gâte canal austral tous les jours après. Ou danse, en même temps on fait la cuisine, oui. On fait le ménage aussi, tout en même temps. Ah, hein? Danser de temps en temps. Canal Austral, il sert pour ça, ça. Hein? Il sert pour ça, ça. Ah ben oui, hein? Ça, c'est super, continue comme ça. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dans le canal Austral? Le tour. Tout? Tout. Ah, là c'est parce qu'elle est là et François elle est là, c'est pour ça. Et François l'éclairé. François. Hein? Ah, au profit que Coco n'est pas là, là. Hein? Là où passe la main Sophie Guillaume. Hein? Pour voir s'il est vrai. Ah, pour voir s'il est vrai. Voilà. Ça, c'est de l'eau. Oui. C'est le deuxième lot, ça? Oui. Deuxième lot. Voilà. Hein? Deuxième lot. Il faut trois lots? Ça regarde. Ça regarde. C'est bon. C'est bon. C'est bon, alors? Après, la pièce est de sale, il n'y a plus beaucoup de sale, alors. C'est bon, alors. Et là, ça l'a ramené avec de l'eau sale, là? Mais ça de l'eau Saint-André, Saint-Suzanne. Mais la pierre est tombée, c'est pour ça. Non, mais la pierre est tombée. Oh, elle est indépendante de notre volonté, hein. Mais désolé, hein. Regardez, Oui. Bon, allez. On est pas de l'autre côté, nous. Mais pas grave, il ne tirera pas, nous. Hein, il ne tirera pas. Elle fait une cuillère. Les microbes, tu peux aller. Mais bon, là. Là, voilà, on va dire. Et voilà, on va dire de l'eau sale. Une demi-miette, allez un petit peu. Ou des miettes ou des miettes? Des miettes un petit peu. Ah, pour des miettes qu'elle a fini. Voilà. Hein, d'accord, là. Hein. Et là, on se fait revenir, elle est bien. Voilà, sec, bien sec, oui. Hein. Et après, ça rajoute. On est bien. Et on met tomate en drogue ou on met pas où? Ah, moi, m'y mettre, moi. On met où? Moi, m'y mettre, moi. On met? Hein, parce que des fois, elle peut mettre gros oignons, on ne met pas de tomates. Mais mettre. Moi, Miguel, comme il fait des fois là, hein, il met des oignons. Mais il dépend, quel jour. Ouais. Elle a des jours aussi. Nous fait, pas tous les jours, nous fait pareil. Ah, pas tous mais les à soir, elle nous fait mettre tomates. Ah là-bas. Et voilà. Quel carré longtemps tu es fait comme ça ou maman, l'été? Maman, ta carré. Rougaille jambon, rougaille saucisson. Ah bon? Rougaille saucisson aussi? Bien sûr. Ah, parce que quoi? La vie quoi sardine, d'autre chose? Tu fais salade sardine, mettre sardine dans des pâtes. Avec gros piment, salade sardine, c'est bon ça? Oui, mais les pâtes là, avant là, nous te mangeons, il dit qu'ils ne mangent pas de riz avec pâtes, mais longtemps nous te mangeons de riz avec pâtes. Hein. Les pâtes comme les caries. Ah bon? Bien sûr. Les pâtes comme les caries. Oui. Ah bon, oui. D'accord, alors elle est bon. Hein. Et moi, il m'a fait. Où la mange Grand Jacques? Oui, même jusqu'à maintenant, il mange encore. Il fait carie Grand Jacques? Oui. Hein. Il fait griller sous la somme. Ah, ça, elle est bon. Hein. Il fait griller, il fait bouillir. En France, quand on a à Paris, là-bas dans l'hiver, ils vendent ça au bord du chemin. Hein. Ils appellent ça des noix de je sais pas quoi là. Hein? Mais ici, nous avons une grande Jacques. Voilà, c'est presque pareil. C'est le presque des marrons. Goût, marron. Pareil, les goûts, chaud goûts marron. Les marrons chauds. Voilà, chaud les marrons chauds. Vous connaissez alors? Oui. Hein? Ma fille allait en France aussi, moi. Ah ben oui, ouais. En hiver, voilà. En partie ou bien été? Les deux, ma fille allait. Hein, les bons, là, ils pendant au corps avec moi au travail, même, oui. Oui, mais ils n'aiment pas. Ah oui, ils me paraissent, parce que vous l'avez dit, vous êtes actifs, hein? Vous êtes actifs, hein? Ils n'aiment pas perdre le temps. Non.
Mais voilà, il faut bien laver. Le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent. L'argent, comme dit Van de Montoléo. Et là, on lave bien pour que tout le sel, ça va y aller. Il faut plus que le sel reste dedans, hein, parce que sinon, ça sera trop salé. Voilà. Et on rajoute un peu de sel après aussi. Ah ben, ça dépend. Ça dépend. Ça on dépend. Goûte après. Voilà. Hein, voilà. Bon, alors, hein, d'accord. Alors, hein. Ça reste mon. Mais bon, reste. Ma cuisine, il reste tout. Ouais, voilà. Mais là, on reste dans le sale, hein, parce que l'eau, les tuyaux bilans. Voilà. Ah, aussi, il un petit peu rincer. Ah, aussi, il reste dans le sale. À soi de l'eau sale dans le robinet. Hein? Voilà. Bon. Hein. Après, on va laisser mon ami bien chaud. Oui. On va mettre l'huile. Oui. Il faut bien chauffer. Il faut le bien chaud. Hein. Hein, si il n'est pas bien chaud, si pas bon. Bien chaud, pas bon. Hein. Il saisit carré, il n'aime pas. Moi. Ah, il n'aime pas. Ah, non, hein, moi, il n'aime pas. T'as fait chat. Ah oui, c'est pour ça là où mettre sur le feu, ou attendre, voilà. Ou attendre, hein. Voilà. Ou attendre que l'huile est bien chaud. Hein. Voilà. Les bois, alors je dis, il faut attendre qu'elle est bien chaude. Hein. Après, quand il faut, il fait chat. S'il n'est pas chaud, il n'est pas bon. Hein. Perfect chat. Voilà. Et là, comment tu vas faire la perfect chat. Coucou, Mangaï. Ah oui, c'est son mot, ça. Ouais, ouais. Comme bisous, bye, pub de Emmanuel. Ivara. Voilà. Voilà. Emilie, Emmanuel. Mangaï fait. Hein, Emmanuel. Emmanuel était. Trop voilà. Pas, trop mais, pas. On ne jamais, attends, c'est Emmanuel, sinon on va dire Emmanuel. Voilà. Voilà. Mais fais un petit coucou à Emilie aussi. Ben, fais coucou les deux, t'es. Parce qu'on va dire, ah voilà. L'une ne marche pas sans l'autre aussi comme nous. Ah non, si, l'une ne marche sans l'autre. Parce qu'Emmanuel, tout le temps, il est ici, Emilie, pourquoi on c'est quand il va nous. Oui, oui, il va nous, inquiète pas. Mais bon, mais non, mais inquiète pas. Ça nous bat Catherine, ça va nous faire de tes gros big up, un gros coucou. Ah. Bisous, bisous. Bon. Bon, allez, bon, bye, Piouk. Voilà. Et là, donc, un épisode, c'est la morue. Voilà, la morue Margot. La morue, ça, c'est très beau quand l'on carré. Très beau. Ah bon. Mais là, il tombe bien là. Oui. C'est... Voilà. Voilà. Nous, de toute façon, on fait la cuisine que le vendredi. Donc là, ennuyant parce que tous les vendredis, pour plus de monde, ne mange pas la viande. Ben oui, là, si atteint tout à fait, sur nos autres croyances, tu ne manges pas. Voilà. Ah, ou quand on l'a carrément. Ah, ben écoute, je te dirai ça. Il y a quand même fait l'année. Je te dirai ça. Ouais. Quand on sera en Aisne. Ouais, quand j'irai en Aisne, je ferai un peu de carême. Ben là, on partit en Aisne, on fait carême là. Je te jure, t'es. On voit pas, ça m'en la morue. On voit pas comment on va l'agneau en carême là, on voit pas. On est quoi en carême? L'agneau en carême. On est en carême. Ouais. Et c'est vrai que quand tu es en carême, tu manges beaucoup. On mange plus. C'est... Ah, on mange plus. T'es. Ah oui. Et voilà. On compense. Faut compenser. Et bon, d'accord. Hein. Bon, Mila, ça saute alors? Oui. Et bon, à tout à l'heure. Tu me rajoutes quelque chose dedans là? Oui, on a mis des épices. Tu fais quelles épices? L'ail. Ouais. L'oignon. L'ail, l'oignon dedans? Safran. Safran aussi, ma vie, les jeunes là. Hein? Ouais, et poivre. Et poivre, ouais. Il y a que ça pour l'instant là. Hein? Oui. Et là où tu vas aller tout. Ouais, ouais. Et après. Après, mettre de l'eau? Oui. Mais mettre pas de tomate dans le carré. Non, non, non. Ah, où tout le monde met pas de tomate dans le carré, voilà, où? Hein? Non, il ne met pas. Ah bon? Il ne met pas de tomate, t'as dit. Il ne met pas de tomate? Non. Il y a d'autres domaines d'oubou. Hein? Il y a d'autres domaines d'oubou. Fais rouler mon aviron. Ah, aviron, les avirons, là-bas, ils ne mettent pas de tomate dans le carré, voilà, rien. Voilà, et là, on rajoute de l'eau dedans et puis on laisse cuire. Hein? Après la bière. Ah, la bière après. La bière après. Hein? Là, on laisse de l'eau descendre un petit peu, après, on rajoute la bière à la fin. Oui, la madame, là. Ah, pardon, c'est la madame qui s'est voulue. Elle ne met pas de tomate. Elle ne met pas de tomate dans le volaille. Hein, bon, il ne met pas de tomate dans le volaille. Non. Hein. Ah, moi, ils mettent, moi, ils ne mettent pas. Ils ne mettent pas l'île. Ouais, mais... Hein. Mais il dépend. Hein. Donc, dans le sud, il paraît, ils ne mettent pas. Rosine m'a dit de ne pas mettre de tomate. Elle dit mettre? Non, mais pas. Mais pas. Hein? Ils ne mettent pas de tomate. Hein? Non. Mais bon, alors. Hein? Mais à nous, nous pas habitués, c'est pas ça. Ouais. La bière. Tout à l'heure, la bière? Oui. C'est les temps, mais pas beaucoup d'eau. Qu'est-ce que vous faites pour être cap sur la réunion là? Madame, ça fait un bon petit carré pois. Ouais. Et l'eau écrase. Vous la mettez un marmite et puis écrase. Et après, et pourquoi la mettez un marmite de riz? Ben. Ou pas trop d'autres marmites. Comme un bol, voilà, voilà, ma ça. Ben, il fait ça à la manière traditionnelle, quoi. Hein. Mais écraser les pois, par contre, c'est un truc que tu ne connais pas. Ah, écrase avant de faire roussir, hein. Et... Voilà, hein, François, tu connais ça, hein? Il écrase avant, après il fait roussir après. Ah, mamie, quand l'île est en train de finir roussir, après il écrase l'île un petit peu. Mais en fait, là, il ne faut pas craser, hein. À mon avis, à mon avis. C'est quand l'île est bien cuit que l'île devient en crème. Hein? Si on force à l'écraser, ben. Là, puis vous avez cuit. Ah bon? Ben, où tout le temps crase, elle est comme ça même, ou? Crase, elle est comme ça même, ouais. Ben, tout le monde le sud, ça, tout le monde le sud, il y a son méthode. Chacun a son méthode. Chacun son manière. Ah, ben, bien sûr. Voilà, oui, voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà, on a fait un petit carré pois, quoi. Un petit carré pois. Un petit carré pois. De soleil réunion. Quoi, elle fait un petit carré pois au piment? Ah, piment!
Hein? Oui, mais piment dans la morue, tout ça. Monique, où ça met piment, ça, ça? Dans la morue. Dans la morue, alors? Ah, donc, dans la morue, ça? Non, non. Ça fait la sauce à côté. Ah, la sauce. Monique, il met piment partout, lui. Non, 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 c'est non. Tu veux mettre dans la morue, ça? Ça. Ah, c'est ça, tu mets dedans. C'est gros piment, nous met dans la morue. Ah, ah, mais à la fin, seulement. Alors, moi, Nicole est là, elle suit, hein. Ah oui, ouais, alors, ouais. T'as Nicole, c'est bon. Donc, oui. Le gros piment, nous mettre dans l'amour. Donc, me profite de l'occasion, hein, me fait un grand big up Canal Austral. Et puis, me veut faire un petit coucou à tous les clubs de gym volontaires de La Réunion, en particulier notre président, Barnabé Prudhomme, de Sainte-Anne. Donc, me fait un coucou et me dit longue vie à la gym volontaire. Voilà. D'accord. Et un coucou pour mon club de gym qui aura 35 ans ce mois-ci. Mais bon, alors, Julie, comment on fait ça où? Attends, on va mettre un gros plan là. Là, comment on fait mais ça où hein? Non, non, la gym volontaire. Ça, j'ai fait de la gym. La gym volontaire, parce que n'importe qui n'est pas volontaire, fait la gym. Ah non, du tout. Hein? Tu souffres quand tu fais de la gym. Ah ouais, donc la gym moi, volontaire je alors. Je fais de la gym. Ah ben, où ça fait le sentier, là, sentier La Réunion. Ah, même, ça fait le sentier. Ouais, ouais, ouais. La gym volontaire, c'est quoi alors? Ben, c'est la gym volontaire, ça s'appelle la gym volontaire. On est affilié à la fédération. Volontaire, gym volontaire. Ah bon, voilà, bonsoir, volontaire, c'est parce que vous l'avez envie de faire. C'est sûrement ça, mais moi, je n'ai pas là-dedans. Moi. Vous pas dedans? Non. Ouais, ouais, moi non plus. Pas volontaire du tout. Ouais, pas volontaire. Non, non, non. Non, non. J'ai abandonné un peu l'idée. Quoi. Ouais, vous n'êtes pas volontaire? J'ai abandonné un peu cette idée-là. Ah ouais, 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 ouais. Mais est-ce qu'on a besoin ou? Voilà. Mais tout le monde a besoin un peu de sport hein? Dans la vie. Il y a besoin lui. Il y a besoin lui. On a besoin un peu de sport dans la beauté. Non, 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 mais non, c'est pour le cœur, c'est pour d'accord. Comment dire, les nouvelles énergies et tout ça. Il faut faire un peu de sport. Quoi. D'accord, là, les bons. C'est alors. Vrai, là, manger. Manger bien, manger, bouger. Voilà, manger, bouger. Ok. Mais passe pas dessus d'ailleurs. Mais passe pas chez nous, Bana, il ne veut pas communiquer avec nous. Peut-être pas. Il y a un problème, Bana. Quand tu es sur les réunions ou dis dessous. Manger, manger quand même. Manger, bouger si vous avez l'envie. Mais manger surtout. Manger surtout. Voilà. Comme hein? Bonaï finance pas, ils mettent pas de communication chez nous, donc nous nous disons manger. Bouge si t'as l'envie. Bouge si t'as l'envie. Voilà, de toute façon, nous nous bougeons quand même, nous. Voilà, hein. Nous voilà. Si voilà, elle est bon, ok. Qu'est-ce que ça fait avec ça là? Oui, il est bien chaud. Oui. Ah, mais ça va être la morue. Là, il faut une sorte. François, il faut une couille là. Hein. Ah, ouais, reste pas loin. Chiant, il voit comment il fait chiant. Julie, viens voir comment il fait chiant. Ah oui. Faut pas confondre avec ses. Non, non, ah, non, non, pas confondre. Hein. C'est pas la même chose. Pas la même chose, hein. Hein? Émilie! C'est quoi la a aussi fait comme ça? Eh bien, moi aussi, je fais pareil. Oui. Pareil, pareil. Pareil, hein? Oui. Fais bien bouillir la morue. Oui, c'est bouillir, c'est frit à l'idée. Après, on a toujours l'oignon, on fait en rougaille. Hein. En rougaille? Oui, il fait pareil qu'elle-même. Ah bon? Ben, on y en profite aussi, fait un big up aussi, à Canal Austral. Oui. Mais très contente aujourd'hui de trouver Julie, Jean-Claude et toute, toute la compagnie qu'elle est là. Oui. Et ensuite. Vous aussi, l'avez vu, Toto? Oui, ma vie, Toto, Toto, il habite le même endroit que moi. Ah, ben oui, mais côté où? Pas côté moi-même. Il connaît. Et après aussi, je fais un big up à toutes les maîtresses d'école de Ah, m'avait peur. Vous l'avez peur? Vous l'avez peur. Moi aussi, j'avais peur. Voilà. Ah, oula, attention. Hein. Et ensuite de ça aussi, je fais un petit coucou aussi à Madame Céline. Qui habite à Chiendan. Enfin, me dit Madame Céline, mais plus Madame Nonon, quoi, son mari, me dit comme ça. Et puis, ben, toutes les collègues de mon travail, que je travaille avec. Où sont les collègues, où c'est les? Les collègues qui travaillent à Terra Elisa aussi, dans la même école. Oui. Et aussi, me fait un gros big up aussi à mon fils, qui l'emmène à moi ce soir. Me fait aller un gros big up avec sa copine. Et ensuite. Allez, déposez-vous pour y partir. Il y a parti, il revient chercher à moi sur Sainte-Marie. Il aurait dû rester. Mais on connaît, maman, il est jeune, ça va. Pas de carré. Pas de carré. Ouais. Et après, du coup, aussi, il fait un big up à les amis de la montagne, Sophie, oui. Que m'y aime beaucoup, ma maman et mes enfants. Et sans oublier mon collègue que m'y aime aussi très très bien, Marie-Jeanne. Et au Catherine adoré. Non, au CAF adoré. Ah ben mon CAF adoré aussi, ben m'y pense qu'il y entend moi et qu'il va voir à moi aussi. Mais bon, alors, aussi, d'accord, d'accord. Julie, vous connaissez la chanson, hein? Mon CAF adoré. Bien sûr. Mais bon, ça t'es poli ça. Ben oui, ben bien sûr. Ben, il faut manifester son amour. Ben, oui, bien sûr, c'était poli. C'était poli. Ah bon, voilà, fais-lui voilà. Un petit bisou. Je fais aller un bisou. Voilà. Mais ça, là, ça n'aime pas ça. Ça, c'est. Là, c'est des oignons, on va mettre dedans, là. Des oignons, un petit peu d'ail, gingembre. Oui. Et puis, safran. Et après, il rajoute les tomates, mais laisse bien cuire. Et... Là-dedans, on met tomates seulement. Oui, oui. Et on peut faire sans tomates aussi, hein. Et mais bon. Là, soit on fait.
En mode tomate, nous là. En mode tomate. What mode tomate? François, on voit son mode tomate. C'est un mode tomate. Un mode tomate. En mode tomate. Ah, il est appétissant, hein. Mais c'est quoi le secret? Viens faire venir à lui. Ah oui, il faut laisser mamie bien chaud. Mais il n'aime pas quand je mange. Il bouille là ou bien. Il prend le temps pour aussi, elle m'aime pas. Moi, m'aime pas, il fait chia, moi, comme... Il fait chia ou même. Voilà. Ah, il fait chia ou même, hein. Il fait pas chia, lui, là, non, il vous laissez. Ouais, hein. Il fait chia ou même, là. Ouais, ouais, ouais. Et la tomate. Elle mange carême, ça. C'est pour ça, Julie, elle dit comme ça, elle fait grossir, il mange carême, là. Manger carême, c'est grossir. Ouais, c'est vendredi saint, il mange carême. Il prend carême, assis, il a carême. Ah, pas carême, là. Ouais. Tu n'es pas le reste? Non, les bons. La trop tomate, sinon. Sinon, c'est un carré tomate. Au moins, il voit encore la morue dedans. Ouais. Ah non, là où sent la morue. Hein. Là où sent la morue. Allumez du feu, madame. Là, est-ce qu'il y a un petit feu là, c'est vrai? Est-ce qu'il y a un petit feu là? Oui. Mettre de l'eau, mettre pas de l'eau, ça. Non, il met pas de l'eau. Il met pas de l'eau. C'est le tomate même, ça rentre sans l'eau. La saveur, oui, il coupe. T'as entendu, il mange un peu. Ah bon, d'accord alors. Mais pas de l'eau dans la morue, moi. Hein. Mais pas de l'eau, il fait l'assassin non. Sinon. La morue. Bah oui. Bouillon la morue, mettre de l'eau. Non, ben oui, Samy. Non, ben bouillon. Comme bien sûr qu'il fallait la sauce morue, avec pomme de terre, brinjal. Oui, mais de l'eau, ah bon. Bien sûr. On met la morue, pomme de terre, brinjal. Oui, mangose aussi. Mangose aussi, pas ton mouroum. Oui. C'est un mélange tout avec. Un mélange tout avec alors. Et là, ça va, mais pas de l'eau, c'est le tomate qui fait son l'eau. Ça rougaille. Oui, et là, ça cuit un petit peu. Cuit un petit peu. Oui. Ah ouais. Et il s'est cuit pas bon pé, ça, non? Hein? Il cuit bon pé, là. Bien cuit pas bon pé, là. Il faut la salle cuire. Tenter, il faut les tomates qui cuit un peu. Tomate seulement, parce que le morue, il finit cuit, non? Oui, oui, mais le tomate, il faut laisser. Là, encore en couille, il faut la salle cuire un petit peu. Ah oui, d'accord, alors. C'est la bière, ça? Oui, c'est la bière. La bière pour le poulet? La bière pour le poulet. Voilà. Pourquoi vous faites comme ça, coup de main, là? La boulot de main. Il a simplement mis de chaud, la brûlée. D'accord. Les deux doigts, la brûlée? Les deux doigts? Donne-t-elle pour la moitié de ça, madame? Maman, elle donne quel trou il y a pour t'y mettre ça? C'est la poule de ta patronne, la mamie. Mon trou de feu? Bon, vaut mieux nous retourner à nos tomates. Hein? Voilà, ben, bien sûr. Ça, c'est tomate pour le poulet, ça? Sage. Non. Là, il reste un peu de tomate. Donc, il dit, mais mettre un petit peu de piment dedans. On a fait un petit rougail tomate. C'est bon, ok. Ça, c'est pour la morue, ça, alors? Oui, voilà. Ça, c'est pour la morue, hein? C'est bon. Ah, mais goûte. Oui. C'est bon, hein? Tu manges comme ça? C'est la doc, ça veut dire de sale, c'est bon? Oui. Tu peux goûter, hein? C'est bon. Goûte à où? François, viens goûter là-bas. François, vous goûtez? Viens-moi goûter pareil la case. Viens-moi goûter pareil la case. On dit que les autres n'aiment pas ça, tata. Si, il est bon, ça. Ben non. Hein, vous connaissez le dicton qui dit ma gosse, la mère, le grand Edoula? La racine est plate. C'est un cosmo couillon, ça, non? C'est pas un cosmo couillon, ça? C'est un cosmo menté. Il va pas lire. Il va pas. Et là, avec de l'eau sale, comment il fait? Non, elle est pas sale, elle dit pas rien. Elle dit pas rien, elle dit pas dans la télé. Elle dit pas dans la télé, de l'eau sale, tu dois aller sale. Non, l'eau est. Non, mais la pluie tombe un peu, c'est normal, hein? Ben oui. Mais souvent, l'autre côté de l'île, n'est pas comme ça, hein? Même quand la pluie tombe, l'eau est propre. Hein? Oui. Ah bon? Mais le prix là-bas, il est plus cher, il est moins cher. Il doit être pareil qu'ici. Pareil alors? Mais pense qu'il est pareil. Pareil. Et donc, il veut dire ici, si tu payes cher pour ça. Ben moi, Miguel, il boit de l'eau comme ça, ouais, il faut mieux acheter de l'eau robinet en bout de l'eau en bouteille. Mais donc, encore. Il revient moins cher? Il revient plus cher encore. Ah bon? Ben oui. Mais bon. Mais de monnaie d'accord pour payer. Mais des fois, on connaît encore mieux. Si on peut mettre toute margot crampée grand matin pour le sport aussi. Hein? Même le lendemain, comme ça, si on ne veut pas d'amertume du tout. Tire l'amertume. Voilà. Mais là, aujourd'hui, ben, nous l'a fait. Le poulet, il est sur la chaîne. Monique, qu'est-ce qu'on fait avec ça là? J'allume le feu. Allume le feu.
Voilà, t'as vu Jean-Claude? M'a vu. Tu souffles pas où? Moi je souffle pas, mais Monique elle a vraiment. Monique elle souffle rien? Tempérament. Allez Monique, montre-moi comment tu souffles. Regarde. Alors, la chute, tu mets la poste. Mais voilà. Ah ouais. C'est clair. Elle joue du pipeau. Charlie, nous bien calme, m'asseoir. Où que ça arrive? Rien. T'as pris le temps. Ben, assois les aspects à cuire. Ou attendre la morue cuite, ou attendre le poulet. Oui. Ben, il fait pareil à soi. Même de rue, m'a pas ouvert à soi. Ah non. Mais Nadmoun à soi. Eh ben non. Tu fais les gaillards comme ça? J'espère cuire. Ben, mais ça, c'est vendredi, c'est pas mardi. Mais le mardi, c'est le jour. Exactement. Voilà, voilà. Et le mardi, il a des choses que la fois le vendredi. Exactement. Il ne dira pas de monde. Il ne dira pas. Il sera plus une surprise. Bah oui, oui. Mais ça va, tu coupes là-bas, moi, ton côté. Ah, t'as pris le margot dedans. Ah, hein? Ça va. Hein? Mais bon. Là, il rajoute le margot alors. Hein? Il est joli, hein? Bah, oui, hein? Là, on rajoute le margot dedans. Oui, hein? Rajoute le margot. Il va aller. Il rajoute tout ou bien un petit peu? Tout ça alors. Ah, les bons. Mais là, les bons, il y a là. Ouais, le margot, il fait qu'il y a un petit peu. Ah, le gros piment aussi pour mettre dedans, là. Dedans. Le margot, est compatible avec le gros voilà. Piment, là. Bon. On a laissé un peu de piment dans le piment là. Mais piment. Non, le grain, on a laissé un peu de grain. Ben, piment les temps, n'est pas ça. On parle de grain. Voilà. François, vous imaginez là, gros piment avec. Gros piment avec des margoles. Il marie bien, hein? Ben en tout cas la couleur oui. Il faut une bouteille de feu là. Elle faut une de feu? Ah, oui. Ben on a trois boutons là. Mais pas de banane à feu. Ouf. Là, tu veux te faire poser quoi? Viens, on avait fait aussi. Viens, mis de la donne au feu. François, que ça balaye ça fait là? Avec ça. Ah, fait revenir le poisson écrasé là, là, le poisson à les réunions. Oui. On a dit, ben. Tu fais roussir le poids ce soir. Sans oignons, on connaît pourquoi, avec l'ail seulement. L'ail seulement? Oui, oui. L'ail safran, parce que moi, il y a rajouté voilà, un peu de safran. Regarde ça, comment elle est un petit peu jaune. Que de sel, l'ail safran. Et en plus, on l'a fait dans la marmite poulet. Hein, d'accord, alors. Ah bon, moi, quand même, il y a le jus du poulet, alors, hein? Oui. Ah, mais les gars, il y a comme ça, alors. Donc là-dedans, oui, on a rien que de sel, de l'ail et oignons. Et safran. Et ouais, safran. Pas d'oignons. Pas d'oignons. Pas le thym, rien. Non. Demande à elle pourquoi ils mettent pas d'oignons dedans. Parce qu'il n'y en a pas. Quel la point? Il n'y a plus d'oignons. Mais Nena l'a pâté, je suis demandé à moi. T'as vu? Il y avait des oignons. Ben voilà. Il fallait demander à Jean-Claude. Ben voilà. Il faut retirer alors. Faut retirer. Elle est voilà. Là, le feu, il utilise pour le poulet maintenant. Hein? Oui. Et là, qu'est-ce qu'on rajoute là? La bière. À la fin, en fin de cuisson. On va mettre de la bière. Ah, en fin de cuisson, elle rajoute un peu de bière comme ça. Hein? Va sous l'azote. Voilà, il y en a assez. Voilà, il y en a assez. Alors, c'est que ça, vous l'avez mis dedans, là? C'est de la bière. C'est de la bière. Voilà. Piment, un petit bout de terre, Jean. Donc, vous avez tomate, là? C'est un petit bout de tomate, ça, voilà. Avec deux tomates terrestres. Voilà. Piment, c'est un jambe. Au lieu de jeter des tomates déchirées, ce temps-ci, là? Oui. 3 euros, 4 euros. On ne peut pas jeter. Ouais. Comme l'a fait la hache, un bon petit peu pour mettre dans le rougail morue, elle a resté un petit peu, elle a fait un petit rougail avec. Voilà. Pour mettre avec le sauce citron. Ah, le sauce citron sur le côté. Hein. Voilà. Okay. Un instant, on a plus ça, après, on a envie de faire un rougail. De sel, piment, oignons. Hein. Ah oui. Oui. C'est tout. Un petit bout de gingembre. Un petit bout de gingembre aussi. Voilà. De l'huile, non? Non. Pas de l'huile. Regarde que là-dedans, on la met l'huile. Dans le sauce citron, tu fais l'huile. Voilà. Et bon, alors. Attends. Que ça arrive! C'est joli, je peux enlever, parce que je suis avec que ça. Avec quoi? Demande à elle avec que ça. Il s'est dit à moi avec amour. Voilà, c'est exactement ça. Ça. Ah, où tu fais ça avec amour alors? Oui. C'est bon. Et où ça, amour, tu es là? Ma pavillon libre, putain, là? Il y aura de l'amour, c'est là, il ne trouve pas. C'est là.
dessous. Ah, les dessous. La moelle dessous. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais pose une question. Mili, mi m'en a dit que son papa, il y a moi, oui, que son papa. Non, que votre papa. Si vous connaissez que ça m'en a fait, c'est quelle blague là? Oh, t'es, c'est ma blague. Non, Léon. Eh bien, allons manger alors. Toto, allons manger. Julie, allons manger les laits là, non? Les laits, hein, de la faim, hein. Allons manger, hein. Eh, Jean-Claude, Toto connaît les. Connais quoi? Il y a vu que son papa, il. Oui, François, qu'est-ce que ça vous l'attend raconter? Non, mais Bana, peut-être quand nous sommes en train de travailler là, hein? Bana n'a pas boire que de l'eau. Ah oui, peut-être, sûrement, sûrement. Hein? Bon, allez, bon. On va manger? Allons manger, les gars! Bah, dis allons manger, les gars, comme si il n'y avait rien que les gars ici. Hein? C'est pas joli, ça. C'est pas joli, allons manger, les gars. Hein? Dis pas ça. Dis pas ça? Non. Allons manger, les gars. Oui. Voilà. Voilà. Les gars. Ah. Les pas gars, ça les pas trop. Les pas trop sérieux. Ah oui. Pour gagner avancer, Lili, mon petit Lili, tu connais bien que mien m'a toué. Lili, ma chérie, aujourd'hui, nous n'avons beaucoup la chance. Oh, une femme comme toi, mon gars, n'est pas facile de rencontrer. Sorti, nous les maillés, nos destins, la croisée. Nous n'avons point trop de difficultés. Toute la famille. Alors nous avec quoi ce soir là? Bon, il y a du pois, des pois, pois de cap. Ouais, pois de cap, soleil réunion. Soleil réunion. Voilà. Après que ça nous avait là. Allez. Ici. Ah, ça c'est où la fille? Gaille morue margose. Avec gros piment dedans. Voilà. Mais bon, Julie, on va bien vu comment il fait ça où? Ah oui, j'ai tout visualisé et les cieux que chez moi mis ça roule avec le margose. Bien sûr. Mais bon, et après la dedans que ça nous avait? Là, c'est carré poulet à la bière. Et une spécialité ça, hein. Ouais. Et Julie, vous connaissez que ça pour le carré poulet là, il y en a de si spécial que ça? Dis-moi, ben oui, ce sont les épices libanaises. Non, la poêle tomate dedans. Et en plus, la poêle tomate dedans. Non, c'est pas en plus, la poêle tomate dedans. Parce que tout le monde là-bas, ils mettent pas de tomate dans le poulet comme ça. Attends, ils donnent Il donne de Julie pour goûter. Maintenant, ouais. Je vais goûter. Il teste Julie alors. C'est bon. Ça, c'est le riz, il est bien cuit, le riz à soi. Que ça va de rien faire? Ah, bravo Monique. Ah, Monique, oui. Monique, bravo. Voilà. Ben Julie, il faut avoir les yeux bleus pour mettre de rire au feu comme ça. Mais bien sûr. Bien sûr. Alors, ben, on va pas toucher comment les jolis. Miwa, et c'est de la pointe là, Monique. Dans les peines. Allez, peine. Allez, allez, peine. Monique, là, on met des calmes. Adaptez-moi, dit-il. Ah ouais? Oh, ben moi aussi, je suis contente de te voir avec tes yeux bleus, ma. Il y a la femme aussi, tu voulais, ben elle prend la place. Bon, ben, on va manger alors. Allons manger. Ouais, allons manger. Ben, bon appétit tout le monde. Ça, c'est les oies qui font ce bruit-là. Ah. Ouais, ouais. Parce qu'ils sont contents. Vous connaissez, moi j'ai cru que c'était un âne. Le mari, mais non, il y a des ânes aussi ici. Ouais. Mais c'est les oies qui font ce bruit-là le soir. Ça l'a fait que mange après? Non, à moi après. Jean-Claude, après. Ah, aussi après, ah, aussi après à quoi? Mais si la pique, comment on fait? Mais si la pique, comment on fait? C'est pas grave. Hein. Ma prochaine, j'ai la tête coque, n'a point. Pourquoi la tête coque? Ah bon? La tête coque, non, ouais. La pâte, nena? Non, point. La pâte aussi? Non, pas la pâte. Ben, Charline, comment elle fait? Charline, où c'est elle? Hein, là pour la pâte. Ah ouais, maintenant, ben maintenant, elle mange la pâte en faisant que Monique, elle mange la pâte. Ah bon, elle mange la pâte. Ben, elle hein? Est avec le pied. Elle est bonne. Ah, d'accord, alors. Bon, Muro, Charline, c'est elle, mais trouve pas. Charline, elle est partie. Ben, elle revient, là. Elle revient, il y a. Oui, il est au téléphone, sûrement. Pas de carré, ouais, avec ouais, ben, voilà, elle revient. Oui, parce qu'elle elle parle de la pâte, comme de là. Mais Talon va devant Charline, directement. Ouais, elle est bonne, on l'a relé. Et bon alors, ok. Ça va là, hein?
Caline, t'es roi de l'autre là. Il paraît que là pour la patente de là. C'est vrai? Oui, là, déjà pour la patente. Ni de la tête. La pointe, la pointe, non, je n'ai pas la tête, moi, mais j'ai la pâte. Il n'y a pas de pâte. La pointe pâte. Mais pas grave, mais dans la il n'y a pas de désir, il n'y a pas de foie non plus. Mais c'est quoi ce volaille-là? C'est un volaille handicapé? Il n'y a que le cou. Maintenant, la pointe volaille handicapé, fais qu'il mange. Oui, mais ça où, mais ça où. Un volaille 2020, même ça. 2020. Voilà, voilà. Mais attention, c'est sans modération 2020, c'est sans le vin. Oui, mais apparemment, elle met la bière dedans, non? Oui, j'ai mis la bière. On va goûter si c'est bon. Vous voulez goûter? Pas trop de bière, hein, bon. Un petit peu. Allez, bon alors, ok. Si c'est pas bon, vous les dites. Monique, merci bien. Eh bien, si tout le monde qui l'a fait cuire manger ce soir, hein, l'avait... Qui ça l'avait, Julie? Ben, nous l'avait l'équipe de Rogers. Alors, donc, nous l'avait la petite équipe Annie, de Rogers. Emilia, Charline, qui était un peu aspect à cuire aujourd'hui. Patrick aussi, faut bien. Moi, j'étais au feu. Ah, vous mettez quoi au feu? Mettre de feu. Ah ouais, mettre de feu. Mais bon, voilà. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup tout le monde. Merci. Nous retrouvons une prochaine fois. Oui. Allez, au revoir. Avec Soleil Réunion. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.